الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui ne s'est jamais attribué d'enfant, et celui en dehors duquel il n'existe ni créateur ni seigneur. C'est lui qui mérite toutes sortes d'adorations et c'est pour cela qu'il aura décrété de n'adorer que lui seul. Et il en est ainsi car Allah, c'est lui la vérité, al-haq. Et car tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Et car Allah, c'est lui le très grand, le très haut. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est le premier que rien n'a précédé. Et le dernier que rien ne succédera. Celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Et c'est lui qui est plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur propre veine jugulaire. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah l'aura envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité et le monde entier. Par sa cause ainsi, Allah aura ouvert des poitrines à l'islam. Et par son intermédiaire, Allah aura ainsi fait en sorte que des yeux voient et des oreilles entendent et que les cœurs qui étaient plongés dans les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance soient alors à leur tour plongés dans la lumière de la guidée et de l'unicité à Tawhid. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier, jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuhal ahbab, uhayyikum bitahiyyati l'islam, wa aqulu assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Je vous salue par la salutation de l'islam, qui n'est autre que la salutation universelle, entre les enfants de Adam alayhi salat wa salam, et qui sera la salutation entre les gens du paradis Ahlul Jannah wa tahiyyatuhum fiha salam. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a rassemblés aujourd'hui durant cette soirée noble et bénie dans son adoration et son rappel, qu'il nous rassemble dans l'au-delà, dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuhal al-ahbab, nous continuons et nous parcourons bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala notre série que nous avons débutée et commencée sur l'histoire des compagnons as-sahaba, sur l'histoire des meilleurs hommes après les prophètes al-anbiya, des meilleures générations, des hommes qui auront été la cause de la propagation de la religion de l'islam,
de ces hommes qui auront vécu avec la révélation al-wahi, de ces hommes qui auront fréquenté la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, de ces hommes qui auront accompagné et défendu et aidé et préservé et protégé la meilleure des créatures et le plus pur des hommes, Muhammad alayhi salat wa salam, de ces hommes qui auront été véridiques quant à l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah, de ces hommes au sujet desquels Allah nous dit Rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, des hommes qui auront été véridiques quant à l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah. Ces hommes ont été véridiques et nous ne l'avons pas été. Ces hommes pleuraient et nous rions. Ces hommes adoraient et nous sommes distraits. Ces hommes pratiquaient la religion ad-din. Ces hommes avaient peur pour leur sort. Et nous sommes tranquilles vis-à-vis de notre sort. Ce sont les compagnons as-sahaba, radiallahu anhum. Et durant notre dernière rencontre, nous avions parlé et évoqué et décrit le noble personnage et le grand homme qui n'est autre que le meilleur des hommes après les prophètes al-anbiya, innahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Nous avons parlé de Abu Bakr, nous l'avions décrit, nous avions parlé de lui, nous avions décrit sa vie et un grand nombre de ses qualités. Et j'attire votre attention, ayyuhal ahbab, que parler de la vie des compagnons as-sahaba et écouter à propos des compagnons as-sahaba, cela fait disparaître de notre cœur notre attachement à la vie de ce bas monde ad-dunya, et en particulier notre attachement aux hommes de ce bas monde ad-dunya. Car de nos jours, les gens se sont accrochés à autre qu'Allah. Tu vois l'homme, tu vois le serviteur, tu vois le musulman de nos jours aimer autre qu'Allah Jalla wa Ala, connaître la vie d'autre que la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois des musulmans de nos jours aimer pour quelqu'un et détester pour quelqu'un, et se réveiller en pensant à quelqu'un et s'endormir en ne pensant qu'à quelqu'un, connaître la vie d'homme par cœur et ignorer la vie de la meilleure des créatures alayhi salat wa salam. Parmi les footballeurs, les sportifs, les comédiens, les rappeurs, les chanteurs, les danseurs et toutes les stars qui ne sont pas du tout des stars mais qui ne sont que des misérables dans la vie de ce bas monde ad-dunya, qui ont perdu cette vie et la vie de l'au-delà. Inna al-khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Nous avons besoin, ayyuhal ahbab, de nous accrocher à ces véritables hommes, de nous accrocher à des hommes qui nous rappellent d'Allah, de nous accrocher à des hommes qui nous rappellent le comportement à avoir, de nous accrocher à des hommes qui aimaient véritablement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tels sont les véritables héros, tels sont ceux qui vont t'aider à adorer Allah, qui vont t'aider à réserver ta place dans le paradis d'Allah. Mais je ne pense pas que tel footballeur ou tel chanteur ou tel sportif, lui, il t'aidera à cela. Ni dans la récompense, ni dans le rappel, ni dans le conseil, ni lorsque ta foi faiblira, ni lorsque tu te tromperas, ni lorsque tu t'éloigneras de la religion d'Allah Jalla wa Ala. Mais bien plus encore et bien pire, il ne t'aidera qu'à t'enfoncer et à t'éloigner et à t'égarer du droit chemin de l'islam. Et tous parmi nous le savent. À nous de nous accrocher au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons as-sahaba. Et nous avons aujourd'hui rendez-vous, ayyou al-ahbab, avec l'homme digne de confiance, avec l'homme fort de la communauté al-ummah, avec l'homme enseignant et éducateur. Venez avec nous afin de passer la nuit avec un homme adorateur et modeste et concentré dans son adoration, avec un homme fort et pieux et pur. Venez avec nous afin de passer la soirée avec un homme grand dans sa modestie
est modeste dans sa force, est fort dans sa justice et son équité et sa miséricorde. C'est l'homme qui fut le modèle et la référence dans ce bas monde pour tout l'univers al-alamin, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme qui courait derrière le chameau donné en aumône, qui courait sur le sable brûlant de la ville d'Al-Madina, ce sable chauffé par les rayons les plus forts et les plus ardents du soleil d'Al-Madina. L'aperçut alors Uthman ibn Affan radiallahu anhu, qui s'écria alors: qui est cet homme qui est sorti sous cette chaleur et qui se met à courir sur ce sable brûlant durant ce moment de la journée de soleil ardent, courant derrière un chameau? Uthman essaya alors de mieux regarder. C'est alors qu'il reconnut Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. C'est alors qu'il reconnut Amir al-Mu'minin, le gouverneur des croyants, Farouq hadihi al-Ummah. Et alors il dit: Amir al-Mu'minin, ya Amir al-Mu'minin, qu'est-ce que tu fais en train de courir sur le sable brûlant de Medina et de courir derrière un chameau? Et alors Omar radiallahu anhu lui dit: un chameau parmi les chameaux qui ont été donnés en aumône à Sadaqa et qui s'est certes enfui, et à Othman, j'ai peur de le perdre. Et alors Othman lui dit: viens à l'ombre, ya Omar, et viens t'abreuver d'eau fraîche, et charge-en un de tes employés pour qu'il te ramène ce chameau. Ya Amir al-Mu'minin, c'est toi le gouverneur des croyants. Et alors Omar radiallahu anhu se tourna vers lui et lui dit: retourne à ton ombre, ya Othman, et garde ton eau fraîche, ya Othman. Est-ce que toi tu seras questionné sur ce chameau devant Allah le jour de la résurrection à ma place? Omar radiallahu anhu, c'est celui qui baissait sa tête afin de souffler sur un feu allumé sous une marmite, afin de hâter la préparation de la nourriture et d'un plat pour des enfants qui attendaient avec leur mère affamée dans l'obscurité de la nuit. Il soufflait dans le feu et préparait la nourriture. Et il allait demander à la mère de faire refroidir ce plat et cette nourriture afin que lui-même, radiallahu anhu, se mette à nourrir ses enfants de sa propre main. Et le récit rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Et la mère regardait cet homme, Omar. Elle le regardait alors. Cet homme qui a délaissé sa maison, son foyer, sa famille, et qui est venu jusqu'à s'asseoir pour nourrir ses enfants jeunes affamés de sa propre main, radiallahu anhu. Cette femme alors le regardait et disait: ya hada, ô toi, wallahi, tu mérites plus d'être calife que Omar ibn al-Khattab. Elle ne l'avait pas reconnu. Elle lui dit: wallahi, tu mérites plus d'être calife que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Mais elle avait oublié, cette femme, que ne fait ce genre d'action que Omar radiallahu anhu wa arda. Omar, c'est celui qui priait dans l'obscurité de la nuit. Puis lorsqu'il se leva, il se leva proche d'une caravane pour garder les habitants de cette caravane avec un de ses compagnons, et c'est alors qu'il entendit des pleurs d'un nouveau-né, des pleurs d'un petit garçon, ne s'arrêtant que très rarement, tout au long de la nuit. Omar alors vint se rapprocher de la mère de ce petit garçon, lui dire: fais taire ton enfant, fais taire ton enfant. Puis il revint alors à sa prière, et il réentendit à nouveau les pleurs de ce petit garçon. Il revint alors voir cette mère et il lui dit: fais taire ton enfant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une fois, cette mère lui répondit alors et lui dise: ya had, ô toi, tu m'as certes dérangé, tu m'as certes dérangé tout au long de la nuit. Et alors Omar lui dit: je te considère et je te vois comme mauvaise mère. Pourquoi ne fais-tu pas taire ton enfant? Et alors elle lui dit: ya had, ô toi, tu m'as certes dérangé. J'empêche certes mon enfant de boire de mon sein et de l'allaiter. Et alors Omar lui dit: pourquoi cela? Elle lui dit: car Omar ibn al-Khattab ne donne pas de subvention et de nourriture qu'à l'enfant qui n'allait plus et qui ne boit plus du sein.
Et alors Omar radiallahu anhu se mit à pleurer. Et il revint à la mosquée afin de diriger la prière pour les gens, la prière d'El Fajr. Et les gens alors lors de la prière ne distinguèrent pas, même pas la récitation que récitait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, tellement il pleurait fortement. Puis à la fin de la prière, il dit radiallahu anhu, combien d'enfants musulmans as-tu tué, Ibn al-Khattab? Combien d'enfants musulmans as-tu tué, Ibn al-Khattab? Puis il ordonna à un homme d'annoncer aux gens que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu donne désormais les biens et la subvention et la nourriture à tout nouveau-né qui sera né dans l'islam, afin qu'aucune mère ne coupe et n'interrompt l'allaitement de son enfant avant l'âge. Et ceci est un message aux gens qui maltraitent les enfants, et aux gens qui éduquent mal leurs enfants, et aux gens qui exploitent les enfants, et aux gens qui kidnappent les enfants, et aux gens qui tuent les enfants de nos jours avec injustice et agression sans droit. De nos jours, la criminalité s'est répandue et le vol des enfants s'est répandu. Mais est venu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et avec lui la religion de l'islam, afin d'enseigner à toute l'humanité al-Bashariya comment se comporter envers les enfants et comment être bienfaisant envers les enfants al-Awlad. Que toute l'humanité écoute donc de Omar radiallahu anhu. Omar, c'est l'homme qui entrait dans le marché al-Souq et demandait alors l'état de chacun et se renseignait quant à la situation de ses compagnons. Et c'est alors que lorsqu'il rentra un jour dans le marché, il aperçut un chameau corpulent, un gros chameau immense qui attirait le regard des gens. Omar dit alors en demandant, « Masha'Allah, à qui donc appartient ce chameau ?» Et les gens lui dirent, « C'est le chameau de Abdullah ibn Omar. » Et alors Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, le chameau de Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar c'est le fils de Omar, c'est le chameau de Abdullah ibn Omar. Et alors les gens lui disent, oui, quel est le problème? Il dit, c'est le chameau de Abdullah ibn Omar. C'est comme si du poison venait de rentrer dans la poitrine de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, l'homme qui appelait au délaissement de ce bas monde ad-dunya et au fait de ne pas s'attacher à la richesse et aux intérêts de ce bas monde ad-dunya. C'est le chameau de Abdullah ibn Omar. Et il ne cessait de répéter cette parole, le chameau de Abdullah ibn Omar. Il dit donc, amenez-le-moi. Vint alors Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, innahu imam, c'est un guide et un imam dans le délaissement de ce bas monde ad-dunya, dans la piété al-taqwa, dans la science, dans la foi al-iman. Vint alors Abdullah ibn Omar. Omar lui dit alors son père, qu'est-ce que ce chameau, ya Abdullah? Abdullah ibn Omar lui dit, un simple chameau que j'ai acheté de ma propre argent et de mes propres moyens et que j'ai laissé alors paître afin que j'en tire de ce qu'en tirent les musulmans comme gain dans le commerce. Ya Amir al-Mu'mini. Et lui dit, ya Amir al-Mu'minin. Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui dit, Yabna Amir al-Mu'minin, ô toi le fils du gouverneur des croyants, et lorsque les gens verront ton chameau, ils diront, faites paître le chameau du fils du gouverneur des croyants et abreuvez le chameau du fils du gouverneur des croyants jusqu'à ce que ton chameau grossisse alors et que ton gain augmente alors. Yab ibn Amir al-Mu'minin. Et alors son fils lui dit, ordonne-moi, ya Abadi. Ordonne-moi, ô mon père. Et alors Omar radiallahu anhu lui dit, pars maintenant et vends ton chameau et récupère ton argent de départ et rends le gain à la caisse des musulmans al-Muslimin. Innahu Omar. C'est lui, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dans toutes ses qualités, sa justice et son équité, sa piété, son adoration, son comportement, sa modestie, son amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son suivi de la sunna, faradiyallahu anhu wa arda. Par quoi commencer lorsque nous parlons de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Allons-nous parler de ses conquêtes ou de sa piété?
ou de son délaissement de ce bas monde ad-dunya, ou de sa justice envers les gens, ou de son émigration al-hijra, ou bien du moment de sa mort, ou bien de sa science qu'il possédait, de sa jurisprudence, ou bien de sa foi en Allah, ou bien de sa force dans son raffermissement dans la vérité al-haq. Ses qualités sont nombreuses et multiples, des qualités qu'aura évoquées le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et des comportements sur lesquels le prophète alayhi salatu wa sallam l'aura vanté, et l'aura évoqué, et l'aura rappelé, et l'aura complimenté. Et nous commençons par les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam Ahmad rapporte dans son recueil, ou Al-Imam Tirmidhi rapporte également avec une chaîne de transmission authentique, que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a établi la vérité al-haq sur la langue et le cœur de Umar. Allah a établi la vérité al-haq sur la langue et le cœur de Umar. La vérité al-haq était établie sur la langue et les paroles et les propos de Umar. Et son cœur en était rempli, radiyallahu anhu. Et dans les deux recueils authentiques, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait dans les communautés qui vous ont précédé des gens inspirés, des gens mulhamoun, des gens inspirés, c'est-à-dire ils recevaient la vérité al-haq sans qu'ils ne soient prophètes. Il dit alayhi salat wa salam, il y avait des gens dans des communautés qui vous ont précédé, il y avait des gens inspirés sans qu'ils ne soient prophètes. Et s'il y en a un parmi ma communauté, c'est certes Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Al-mulham, l'inspiré, il était appelé radiyallahu anhu. Et écoutez ce beau hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je me suis vu au paradis al-jannah. C'est alors, il dit alayhi salatu wa salam, je me suis vu moi-même dans le paradis al-jannah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, je me suis vu au paradis al-jannah. C'est alors que j'aperçus une femme faisant ses ablutions près d'un palais, d'un grand château. C'est alors que j'aperçus une femme qui faisait ses ablutions près d'un palais. Il dit alayhi salatu wa salam, je demandais alors, à qui appartient ce palais? Et on me dit, à Umar ibn al-Khattab. Al-Habib alayhi salatu wa salam dit, lorsqu'il aperçut la femme près de ce palais, il dit, je me suis souvenu alors de la jalousie de Umar, je me suis retourné et j'ai tourné le dos, afin de ne pas voir et de ne pas regarder cette femme. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam raconta cela à Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu lui dit alors qu'il pleurait, est-ce que de toi je serai jaloux ya Rasulallah? Est-ce que de toi je serai jaloux ya Rasulallah? Et ce hadith ici, ayol ahbab, prouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a bel et bien parachevé la religion de Umar. Il l'a complété pour lui, sa grâce et sa faveur, car il a annoncé qu'il serait parmi les hommes du paradis al-Jannah. Et il a annoncé également qu'il mourra martyr, fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avions annoncé et évoqué dans le premier discours en parlant de la vie de Abi Bakr radiyallahu anhu. Nous avions dit, comme dans le hadith, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la montagne de Uhud se mise à bouger, alors que se trouvait sur elle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, il dit, Rasulullah alayhi salatu wa salam, Uthbut ya Uhud, reste stable, tranquillise-toi, raffermis-toi ya Uhud. Il s'adressait à la montagne, il disait, Uthbut ya Uhud, reste tranquille ya Uhud, car certes sur toi en ce moment, il y a un prophète et un véridique et deux martyrs. Un prophète c'est lui alayhi salatu wa salam, et le véridique as-siddiq innahu Abu Bakr radiyallahu an, wa shahidan, et les deux martyrs, Umar wa Uthman radiyallahu anhuma. Quant au fait qu'il soit parmi les gens du paradis, c'est le hadith que l'on a évoqué, ayol ahbab, précédemment concernant Abi Bakr radiyallahu an, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, jusqu'à énoncer et évoquer la liste des 10
compagnon annoncé pour le paradis Al-Jannah. Donc Omar ibn al-Khattab radiallahu an, a annoncé qu'il mourra martyr et qu'il fait partie des gens du paradis Ahlul Jannah. Et il a été vu, son palais a été vu dans le paradis Al-Jannah par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez également ce hadith énorme rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Alors que je dormais, c'est alors que je vois en rêve des gens passer devant moi, habillés tous d'un qamis, parmi eux leur qamis arrivait au niveau de la poitrine. Wal'iyadu billah. Le qamis ne descendait même pas jusqu'en bas, il arrivait uniquement au niveau de la poitrine, et parmi eux le qamis descendait plus bas. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: puis passa devant moi Omar, et son qamis était alors très long et il le traînait, et ceci dans l'au-delà al-akhira. Et alors les compagnons lui dirent: et comment interprètes-tu cela, ya Rasulallah? Comment interprètes-tu ce rêve, ya Rasulallah? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam: innahu ad-din. C'est la religion ad-din. Cette proportion de qamis, c'est la proportion de religion qu'avait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et dans un autre hadith, rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: je me suis vu en rêve alors que se présenta devant moi un récipient contenant du lait. J'ai alors bu ce lait jusqu'à ce que le lait coule de mes mains et de mes doigts. Il dit: puis j'en donnais une part à Omar. Dans mon rêve, puis j'en donnais une part à Omar. Et alors les gens lui dirent: et comment l'as-tu interprété ce rêve, ya Rasulallah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: innahu al-ilm. C'est la science, l'ilm. Dinun, wa ilmun, wa jannatun, wa shahadatun. Religion, science, paradis, martyr, autant de faveurs qu'aura bénéficié Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, celui-ci nous dit: Omar demanda un jour la permission de rentrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'étaient auprès de lui alayhi salatu wa sallam des femmes de Quraysh qui lui parlaient et lui posaient des questions et lui demandaient à propos de la religion ad-din. Imaginez-vous la situation, ayyuhal ahbab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est présent et proche de lui des femmes de Quraysh qui l'interrogeaient sur la religion ad-din et qui lui posaient des questions et qui lui parlaient. Et Omar voulait rentrer auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est alors qu'il se met à demander la permission au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait entendu les voix de ces femmes haussées et élevées sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les femmes entendirent la voix de Omar qui demandait permission au prophète alayhi salatu wa sallam de rentrer, elles se levèrent alors et se précipitèrent et se cachèrent de Omar. Rentra alors Omar et il trouva le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souriant, lui faisant un sourire. Et alors Omar, l'éduqué, celui qui avait les nobles politesses, lui dit: Adhakakallahu ya Rasulallah. Qu'Allah t'augmente en réjouissement et en satisfaction, ya Rasulallah. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je me suis certes étonné d'un groupe de femmes qui, lorsqu'elles entendent ta voix, elles se cachent de toi. Et alors Omar radiallahu anhu lui dit: tu mérites plus d'être redouté et craint, ya Rasulallah. Tu mérites plus d'être redouté. Tu mérites plus qu'on ait peur de toi et non pas de moi, ya Rasulallah. Puis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu se tourna vers les femmes Nisa et elle leur dit: ô vous les ennemis de vos propres âmes, me redoutez-vous et vous ne redoutez pas le messager d'Allah. Me redoutez-vous et vous ne redoutez pas le messager d'Allah. Et alors elles lui dirent: oui, mais tu es plus dur et plus sévère que le messager d'Allah. Car le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'était l'homme au cœur miséricordieux, l'homme au comportement immense, l'homme auquel Allah jalla wa ala lui dit: wa innaka la'ala
khuluqin azim, tu es du meilleur et d'un comportement immense, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, ayyul ahbab, lorsque les femmes dirent à Omar, oui, mais tu es certes plus dur et plus sévère que le messager d'Allah, écoutez le témoignage du prophète, alayhi salatu wassalam. Écoutez comment le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, défendait Omar. Il dit, alayhi salatu wassalam, ce témoignage d'une qualité étonnante, il lui dit, ah, yabn al-Khattab, fawalladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, si le diable, le shaytan, te voyait prendre un chemin, il l'abandonnerait alors et emprunterait un autre chemin que le tien, ya Omar. Si le diable, le shaytan, te voyait dans son chemin, il l'abandonnerait alors et emprunterait un autre chemin que le tien, ya Omar. Quelle qualité, quelle fierté, quel honneur, quelle dignité pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, d'être certes redouté par les gens, mais d'être redouté par le diable, le shaytan. Ainsi le diable, le shaytan, ne peut pas marcher sur le chemin qu'en prêtera et sur le chemin sur lequel marchera Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Naam. Et parmi les qualités les plus étonnantes de Omar, c'est que Omar ayyul ahbab est l'homme pour lequel Allah Jalla wa Ala a révélé le Coran d'au-dessus des sept cieux afin de confirmer ses paroles. Et ceci n'est pas donné à tous les compagnons à Sahaba. Je ne sais pas si vous avez accordé de l'attention à ce que je viens de dire. C'est l'homme pour lequel Allah Jalla wa Ala a révélé quelques versets du Coran d'au-dessus des sept cieux, sab'u samawat, afin de confirmer ce que venait de dire Omar. Dans les deux recueils authentiques, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, j'ai été en accord avec mon Seigneur à trois reprises. Et méditez sur cette parole. Ici il n'a pas dit j'ai été en accord avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ou est-ce que ceci pourrait être assimilable, compréhensible, j'ai été d'accord avec Rasulallah. Non, j'ai été en accord avec Rabbi, avec mon Seigneur, à trois reprises. Il dit, lorsque je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de maqam Ibrahim, ya Rasulallah, law ittakhadna min maqam Ibrahim musalla, et si nous prenions le maqam Ibrahim comme lieu de prière, fanazala qawluhu ta'ala, fut révélée la parole d'Allah jalla wa ala, wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Et à une autre reprise également, il dit, ya Rasulallah, si tu ordonnais aux femmes de mettre leur hijab, ou bien de se cacher derrière un voile, lorsqu'elles viendraient te poser des questions, car certes leur parle le bon et le pervers. Fanazala ayatul hijab, fut révélé le verset du voile, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Lorsqu'elles vous demandent quelque chose, lorsque vous leur demandez une provision, demandez-la de derrière un voile, de derrière un hijab. Et à une troisième reprise, il dit, lorsque furent rassemblées les femmes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors du problème de la jalousie qu'il y a eu entre elles, et qu'elles étaient en train de demander une certaine subsistance supplémentaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elles se sont plaint du prophète alayhi salatu wa sallam, ou bien auprès de lui de certaines femmes, Omar dit radiallahu anhu, je leur ai dit alors, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkum, fanazala al-Quran, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minat qanitat, ta'ibat, sa'ihat, thayyibat wa abkar. Fut révélé le Coran pour être en accord avec la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Imaginez-vous, ayol ahbab. Et dans une autre version également, il a été rapporté que lorsqu'il entendit de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
lorsque fut révélé le verset de Sourate Al-Mu'minun, lorsqu'Allah Jalla wa Ala parle de la création Al-Khalq. Et il évoque toutes les étapes de la création, min nutfa, min alaqa, min mudra, etc. Et lorsqu'il arriva à la fin du verset, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne termine le verset, قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين فنزل القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين. Et si nous parlions, ayol ahbab, de son suivi de la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de sa considération vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de son amour et de son respect qu'il avait envers le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, car peut-être que des gens pourraient se dire que Omar est dur, que Omar est sévère, et ainsi qu'il ne suit pas comme le suivraient d'autres compagnons le prophète alayhi salatu wa sallam, ou qu'il n'aime pas comme l'aime d'autres compagnons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais wallahi, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, malgré sa dureté de caractère, il avait un amour et un suivi et une considération du chemin et du sentier et des paroles et des actions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans équivalent. Prenez le récit de la pierre noire al-Hajar al-Aswad, le récit rapporté par l'imam al-Bukhari. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu se présenta devant la pierre noire et s'adressa à elle et lui dit, wallahi, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne profite en rien et qui ne nuit pas. Et certes, si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Il suivait la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il concrétisait l'unification d'Allah al-Tawhid. Et il annonçait qu'il savait que cette pierre noire, malgré qu'elle soit venue du paradis al-Jannah, malgré qu'elle soit posée sur un des coins d'Al-Ka'bah, elle n'avait aucune influence et aucun impact. Et elle ne profitait pas pour les gens. Ni le fait de l'embrasser, ni le fait de la toucher. Qu'elle n'avait aucune bénédiction, baraka. Mais ils disent, radiallahu an, si je n'avais pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Autrement dit, je ne t'embrasse que parce que j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser. C'était la suivi du sentier et du chemin du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Et un jour, comme ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari alors qu'il se trouvait dans la mosquée, et ce hadith est rapporté par As-Sa'ib ibn Yazid radiallahu anhu. Il dit, As-Sa'ib ibn Yazid, je reçus alors un léger caillou sur mon dos. Je me retournais alors, c'est alors que je vis Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu m'interpeller. Il me dit, rapproche-toi de moi. Je me rapprochais alors de lui. Et il me dit, connais-tu ces deux personnes ? Ramène-les-moi donc. Il les appela alors. Lorsque les deux personnes se rapprochèrent de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il leur posa la question, êtes-vous et provenez-vous de la ville d'Al-Madine? Et alors ils lui dirent, non, nous sommes de Taif. Et alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu leur dit, si vous étiez de Médine, je vous aurais certes fait très mal. Vous élevez votre voix dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme cela qu'il défendait l'odeur du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il ne supportait pas que l'on élève la voix en présence soit de la tombe du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ou dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car a été révélé le verset le concernant et concernant d'autres compagnons as-sahaba concernant le danger d'élever sa voix en présence du messager d'Allah et au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wassalam. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô vous qui croyez, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne parlez pas à voix haute comme vous le faites les uns envers les autres, au risque que vos actions soient annulées sans que vous vous en rendiez compte. Et un jour alors fut dit, Kadou ont presque péri, ou bien ont failli périr, les deux meilleurs. Et c'était Abu Bakr et Omar, lorsqu'ils élevèrent leur voix dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car élever la voix dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme élever la voix en sa présence.
Car nous rappelons que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est présent dans la mosquée. Et il est enterré dans cette mosquée. C'est pour cela que les savants ont dit, al-ulama, il est interdit d'élever sa voix dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement de nos jours, les gens ignorants se permettent de parler au téléphone, d'élever sa voix, de crier, de rigoler en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne réalisent pas qu'ils sont véritablement juste à côté du corps du prophète alayhi salat wa sallam. Et c'est ceci que rappela à ses compagnons Omar ibn al-Khattab radiallahu an. Et Omar a également bénéficié de miracles de la part d'Allah. Et certes, les miracles ne sont pas accordés à beaucoup de créatures en dehors des prophètes al-Anbiya, mais ce sont des créatures privilégiées et élues par Allah jalla wa ala. Un jour, comme ceci a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, Omar, alors qu'il était sur al-Minbar, dans la mosquée de Médine, il aperçut le terrain de bataille, une bataille à laquelle participaient ses compagnons en sahaba. Alors qu'il était lui sur al-Minbar, dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, il aperçut le terrain de bataille et il aperçut Sariya. Et il aperçut alors lors de la bataille l'ennemi se préparant à surgir de derrière une montagne. Et il appela alors qu'il était sur al-Minbar, Ya Sariya, al-Jabal, al-Jabal. Et Sariya reçut le message de la part de Omar malgré la distance. Et tel est un miracle de la part d'Allah Jalla wa Ala. Accordé ici à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et les miracles sont existentiels et existent, mais ils ne sont accordés qu'à certaines créatures et à certains serviteurs après les prophètes al-Anbiya. Et rappelez-vous de la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il dit, nous sommes devenus puissants depuis qu'est rentré dans l'islam Omar. Nous sommes devenus puissants depuis qu'est rentré dans l'islam Omar. Sa conversion fut une conquête, son émigration fut une victoire, et son gouvernement fut une justice et une miséricorde. Et une question peut se poser ici. Comment s'est converti Omar ? Beaucoup de récits ont été rapportés quant à la conversion de Omar, mais malheureusement beaucoup d'entre eux sont faibles. Et parmi les récits faibles qui ont été évoqués quant à la conversion de Omar, le récit de Sourati Taha, qui est un récit qui a été jugé faible par un grand nombre de savants du hadith et de Siratun Nabawiyya. Donc c'est un récit qui n'est pas à prendre en compte. Le récit lorsque Omar veut partir tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'un homme lui conseille d'aller voir sa sœur car elle s'est convertie à l'islam avec son mari, et lorsqu'il retourne voir sa sœur et qu'il la frappe et qu'il la fait saigner, c'est alors qu'il voit des feuilles où sont écrits des versets du Coran qui sont sourati Taha, et lorsqu'il les entend ou bien qu'il les lit, il rentre dans l'islam. Ce récit est faible. Il est connu de beaucoup de gens et de la majorité de la communauté, mais il est jugé faible, donc il n'est pas à prendre en considération. Et il y a un autre récit qui est moins faible, voire bon, jugé par l'imam Abu Ishaq, que nous rapporterons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, bien que les savants n'ont pas tous jugé qu'il était authentique ou qu'il était bon, ou bien qu'il était à prendre en considération. C'est le récit lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nous dit, il était propriétaire de vin dans l'ère de l'ignorance al-Jahiliya, et ils avaient une assemblée lors de laquelle ils se rassemblaient avec des hommes de Quraysh et ils buvaient. Il dit, c'est alors que je sortis une nuit, mais je ne rencontrai et je ne vis personne. Il dit, je me suis dit, je vais aller voir un tel, peut-être que je trouverai du vin, je ne le trouvais pas. Il dit, c'est alors que je me suis dit d'aller à la Kaaba et de faire 7 tours autour d'elle. Car il faisait at-tawaf avant autour de la Kaaba, non pas pour Allah Jalla wa'ala, ou peut-être pour Allah, mais il mélangeait avec l'association et les idoles. Mais la Kaaba restait pour eux immense et honorable. Il dit, je partis alors faire at-tawaf autour de la Kaaba, tourner autour de la Kaaba. C'est alors que j'aperçus Muhammad debout en train de prier devant al-Kaaba. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam priait devant al-Kaaba, il avait tendance à prier entre le coin yéménite et le maqam Ibrahim. Il dit, je n'ai pas voulu alors l'effrayer, dans la version. Je me suis mis alors entre le tissu d'Al-Kaaba et la Kaaba. Et je me suis mis alors à marcher tout doucement jusqu'à me rapprocher de lui, jusqu'à arriver juste devant lui et que ne se sépare de moi et lui que le tissu d'Al-Kaaba. Il dit, je l'ai entendu alors faire la prière. Et c'est alors qu'il se mit à réciter Sourat al-Haqqa. Et il l'entendit alors du début à la fin. Et lorsqu'il entendit cette sourate, il fut pris par l'émotion et par les sentiments, et il comprit que c'était la parole d'Allah Jalla wa Ala.
et il voulut se convertir à la religion de l'islam. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam terminait sa prière, il partit et Omar ibn Khattab radiallahu anhu le suivit. C'est alors que le prophète alayhi salatu wasalam entendit les pas de Omar. Il se retourna alors et lui dit: Ibn al-Khattab, qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu veux? Et alors le Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit: je suis venu afin de croire en Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été dans une version authentique que le prophète alayhi salatu wasalam lui posa sa main sur sa poitrine, et il fit l'invocation et il dit: oh Allah, fais sortir de la poitrine de Omar toute rancœur et haine et hostilité, et remplis-la de foi al-Iman. Et il invoqua Allah Jalla wa Ala par cette invocation à trois reprises. Invocation de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans tous les cas, la parole la plus authentique concernant la conversion de Omar ibn Khattab radiallahu anhu dans la religion de l'islam, il a été dit dans tous les cas, elle a été causée par une invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il demanda à Allah tabaraka wa ta'ala, et il dit: oh Allah, guide l'un des deux hommes les plus aimés auprès de toi, Omar ibn al-Khattab ou Abu Jahl. Et Allah Jalla wa Ala guida Omar. Et telle fut l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car peut-être qu'il savait qu'avec la guidée de Omar ou bien la guidée de Abu Jahl, qui étaient des grands de Quraysh, l'islam deviendrait forte et puissante. Et vient, ayyuh al-Ahbab, le moment où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut. Il mourut satisfait de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et nous avons déjà parlé de ce récit lorsque nous avons parlé de Abi Bakr radiallahu anhu. Et nous avons déjà parlé de la réaction de Omar. La réaction de Omar lorsqu'il ne pouvait pas croire en la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il dit, lorsqu'il a appris que les gens disaient que le prophète alayhi salatu wa sallam est mort, il disait: Kalla wallah, il n'est pas mort. Mais il est certes parti voir son Seigneur, comme est parti voir son Seigneur Moussa ibn Imran. Et il reviendra alors, et il reviendra trancher le cou de ces hypocrites qui prétendent qu'il est mort. Il n'acceptait pas de penser que le prophète, alayhi salatu wassalam, était mort. Puis le raisonna qui? Abu Bakr radiallahu anhu, comme il raisonna toute la communauté al-Ummah. Et il monta sur al-Minbar, et il dit alors: man kana ya'bud Allah, man kana ya'bud Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'bud Allah, fa inna Allah Hayyun la yamut. Celui qui adorait Muhammad, certes Muhammad est mort, et celui qui adore Allah, il adore certes le vivant qui ne meurt jamais. Puis Abu Bakr radiallahu anhu gouverna pendant 2 ans et il mourut à son tour, satisfait également de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et c'est alors que succéda à Abu Bakr Omar concernant al-Khalifa, le calife, le califat de cet empire musulman. Et il commença sa vie de calife. Et comment est-ce qu'il l'a commencé, Yul Ahbab? Il l'a commencé par ses nobles paroles qu'il prononça à toute la communauté. Et il leur dit alors: je suis certes devenu votre gouverneur, mais sachez que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. C'est Omar qui parle. Je suis certes devenu votre gouverneur, mais sachez que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Et on m'a fait parvenir que les gens redoutent ma dureté et craignent ma sévérité. Et on certes dit: Omar était dur avec nous en présence du prophète alayhi salat wa salam, et était sévère envers nous en la présence de Abi Bakr. Comment sera alors l'affaire lorsque toutes les affaires et tous les ordres reviendront uniquement à lui? Il dit radiallahu anhu: mais sachez certes que ma dureté s'est intensifiée et doublée, mais sur les gens de l'injustice et de la transgression. Ma sévérité et ma dureté et ma rigidité s'est doublée, mais sur les gens de l'injustice et de la transgression, et wallahi, je ne laisserai personne opprimer personne sans que je ne mettrai l'injuste sa joue sur la terre al-ard, et que je mette mon pied jusqu'à ce que cet injuste se rabaisse sur la vérité al-haq. Et il dit radiallahu an, ayyuhan nas, vous avez certes des droits sur moi. Et il énonça et il énuméra alors un grand nombre de droits que les gens avaient sur lui, et il leur promit qu'il ferait le maximum pour augmenter leur subsistance par la volonté d'Allah Jalla wa Ala, et pour ne pas être injuste envers eux, et pour être le plus juste et le plus équitable envers eux, etc., etc. Tel fut le début d'Al-Khalifa de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il gouverna avec équité et justice. Et si nous devions rentrer dans les détails, il nous faudrait alors un grand nombre de conférences et un grand nombre de discours concernant la vie de Omar.
pour rappeler ses qualités et sa science et sa qualité de gouverneur, sa qualité de juste, d'équitable. Il se préoccupait de la situation de chacun de ses gouvernés. Et il essayait de négliger personne. Et souvent, il disait, radiyallahu anhu, que diras-tu à ton Seigneur, ya Omar? C'était sa phrase qu'il répétait. Son slogan à lui, que diras-tu à ton Seigneur, ya Omar? Car il considérait la responsabilité du gouverneur. Cette responsabilité du gouverneur que malheureusement ont oublié les gouverneurs de nos jours. Lorsque tu es gouverneur, sache que tu es responsable de tout ce peuple devant Allah. Certaines personnes ou certains gouverneurs sont fiers d'être gouverneurs. Certains rois sont fiers d'être rois. Certains présidents sont fiers d'être présidents, mais ils oublient que le jour de la résurrection, Allah Jalla wa Ala les questionnera sur chacun d'entre tous les gouvernés. Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il a été injuste? Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a été équitable? Est-ce qu'il s'est occupé de chaque demande de chaque gouverné? C'est une énorme responsabilité. C'est pour cela que nous disons qu'al-mas'oul yus'al. Al-mas'oul yus'al. Tu es responsable, tu es mas'oul. Eh bien, sache que tu seras questionné sur chaque responsabilité. Et ceci, nous le transmettons à toute catégorie de personnes. Même aux gens des associations al-jam'iyat, dans les mosquées ou dans les écoles. Hein, il y en a beaucoup qui veulent avoir la responsabilité, qui veulent être président, qui veulent être trésorier, qui veulent s'occuper d'une association, qui veulent être responsable. Sache que le responsable sera questionné le jour de la résurrection. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé de la responsabilité, qu'est-ce qu'il a dit ? Fa'alam annaha mas'uliyatul yawm wa hasratun wa nadama yawm al-qiyam. C'est une responsabilité aujourd'hui et des regrets et des remords le jour de la résurrection. Car c'est une responsabilité, ce n'est pas une fierté, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une réputation, une célébrité d'être président, d'être organisateur. Non, mais il incombe que tu considères que tu seras questionné sur cette tâche le jour de la résurrection par Allah. Qu'Allah te posera cette question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas fait? Ou bien pourquoi est-ce que tu as négligé? S'il est responsable, pensez comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et se poser cette question nuit et jour, que diras-tu à ton Seigneur, ya Omar? Les choses changeraient. Si vous voulez connaître le vrai personnage de Omar, ou bien le vrai personnage de Omar apparaissait devant les gens lorsqu'on lui disait « Ittaqillah, ya Omar ». Lorsqu'on lui disait de craindre Allah, à ce moment-là, le personnage de Omar apparaissait. Il se mettait à pleurer et à avoir peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à se remettre en cause. Et à se souvenir de sa responsabilité et à se réfugier et invoquer Allah Jalla wa Ala. Et nous terminons, ayat ikhwatul kiram, avec le moment de sa mort. Omar ibn Khattab radiallahu anhu est mort à l'âge de 63 ans. Il est mort alors qu'il a régné sur le gouvernement musulman ou l'empire musulman 10 années et 6 mois. Et il est mort martyr, fi sabilillah, comme l'a annoncé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été sur Uhud. Et comment est-ce qu'il est mort, radiallahu anhu? Il est mort d'une des meilleures fins, et Allah. Car comme l'a dit Al-Hafid ibn Kathir, radiallahu anhu, rahimahullah, il a dit, certes, Allah al-Karim a instauré par sa noblesse et son indulgence et sa justice que celui qui vit sur une chose mourra sur cette chose. Et que celui qui meurt sur cette chose sera ressuscité de cette façon. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Si tu meurs, si tu vis dans l'adoration d'Allah, si tu vis dans la prière à Salah, si tu vis alors que tu pleures par crainte d'Allah, si tu vis aimant et récitant la parole d'Allah, si tu vis alors que tu ne veux pas désobéir à Allah, tu mourras également dans cette situation. Et le contraire, si tu vis dans la désobéissance à Allah, si tu vis alors que tu ne crains pas Allah Jalla wa Ala, si tu vis alors que tu déclares la guerre à Allah, tu mourras dans une de ces situations. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحْدٍ. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Allah ne sera pas injuste envers toi. Mais comme l'ont dit les savants, Allah fera apparaître les choses qui sont cachées entre toi et Allah au moment de ta mort. Ce que tu cachais entre toi et Allah, à
apparaîtra cela au moment, au moment où tu le rencontreras. Si c'était des bonnes choses, elles apparaîtront. Mais si c'était des mauvaises, elles te dévoileront et elles t'afficheront devant les gens annas. Car Allah accorde énormément d'importance à l'adoration du serviteur en secret et en privé. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Ceux qui craignent et redoutent leur Seigneur en secret. Il est facile d'adorer Allah en public. Il est facile de prier devant les gens. Il est facile de réciter et d'embellir ta voix lorsque tu récites le Coran devant tes frères. Il est facile de refuser, de désobéir à Allah devant ton ami. Il est facile de te concentrer dans ta prière devant l'imam. Mais encore faut-il que ces efforts soient effectués également lorsque tu te retrouves seul avec Allah. Seul devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Encore faut-il que lorsque tu es seul, tu refuses également de désobéir. Lorsque tu es seul, tu refuses de commettre le péché. Lorsque tu es seul, tu sois assidu à ta prière. Que lorsque tu es seul, tu adores Allah jalla wa ala comme si tu le voyais. فَمَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Celui qui vit sur une chose, il mourra sur elle. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, mourut poignardé alors qu'il dirigeait la prière de l'Hajj. Il ne mourut pas pendant la prière, mais il fut poignardé durant la prière de l'Hajj. Imaginez-vous, Yul Ahbab, cette situation terrible, mais également honorable, de recevoir son coup qui causera sa mort alors qu'il est en relation avec son Seigneur Jalla wa Ala. Que la dernière action qu'il fasse soit la meilleure action dans ce bas monde adoré. Que la dernière chose qu'il fasse vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala, c'est la prière pour Allah. Il fut poignardé par un homme qui s'appelle Abu Lu'lumat al-Majusi. Un Majus, c'est-à-dire un adorateur du soleil, il le poignarda alors. Et lorsqu'il fut poignardé et qu'il termina la prière d'Al-Fajr, alors qu'il avait son cou et que son sang coulait et qu'il s'apprêtait à mourir, il appela son fils, Abdallah ibn Omar radiallahu anhu. Et il lui dit, ya Abdallah, va voir Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, et demande-lui la permission que je sois enterré avec mes deux compagnons. Et demande-lui la permission que je sois enterré avec mes deux compagnons. Abdallah ibn Omar partit alors voir Aïcha, radiallahu anha, qui a été pris de chagrin et de tristesse lorsqu'elle entendit le coup que reçut Omar ibn Khattab et Amir al-Mu'minin, le gouverneur des croyants. Et il lui dit, ya Umm al-Mu'minin, ô toi la mère des croyantes, certes, Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab radiallahu anhu te demande la permission d'être enterré avec ses deux compagnons. Aïcha radiallahu anha dit, j'espérais que telle fut ma place, mais je la laisse alors à Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et c'est pour cela qu'il fut enterré en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr radiallahu anhu. Mais il dit juste avant à Abdallah, si elle accepte, alhamdoulillah, et si elle refuse, enterre-moi alors dans le cimetière des musulmans al-Muslims. Et lorsque Abdallah ibn Omar lui dit, ya Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui dit, ne m'appelle plus le gouverneur des croyants, car je ne suis plus gouverneur des croyants à partir de ce jour. Et il mourut radiallahu anhu. Et le succéda alors Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et telle fut la fin de ce grand homme, cet homme qui aura été, comme on l'appelle Al-Farouq, celui par lequel on discernait le vrai du faux, cet homme qui, comme l'a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si Allah devait envoyer un prophète après moi, il aurait envoyé Omar. Cet homme qui, comme l'on dit,
Et comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons al-Sahaba qui étaient proches de lui, étaient-elles une victoire et un secours et une conquête pour la communauté al-Umma. C'est un homme qui, lorsqu'il s'est converti, radiallahu anhu, il n'a pas eu peur de Quraysh. Il n'a pas eu peur de l'injustice, de l'hostilité, ou de la puissance, ou de la force des hommes de Quraysh qui ne cessaient de torturer les compagnons sahaba, qui ont torturé Bilal, qui ont torturé Ammar. Non. Mais lorsqu'il s'est converti, il est allé les voir directement. Et il frappait à leur porte. Et il leur disait, je me suis converti. Y a-t-il un problème? Il n'avait pas peur, radiallahu anhu. Et par sa cause, Allah Jalla wa Ala a ouvert des pays et a propagé la religion de l'islam, mais nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, malheureusement. Fa'as'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Et je tiens à vous rappeler, ayyuhal ikhwatul kiram, que c'est lorsque nous entendons à propos des compagnons as-sahaba que cela nous pousse et nous amène et nous incite à les ressembler. Nous appelons les jeunes de cette communauté et les jeunes de cette génération à faire leur maximum afin de ressembler à Abu Bakr ibn Omar, d'avoir comme référence Abu Bakr ibn Omar, d'avoir comme modèle ses compagnons as-sahaba, de considérer comme héros et comme stars ces gens-là. C'est lorsqu'ils les considéreront comme stars et comme héros et comme référence qu'ils voudront alors les ressembler et les suivre et les imiter dans l'adoration d'Allah et dans l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans la suivi de la sunna. Et ainsi, c'est comme cela qu'ils deviendront pieux et qu'ils reviendront dans le droit chemin d'Allah jalla wa ala. Mais lorsqu'ils s'attacheront aux footballeurs et aux sportifs et aux acteurs et aux comédiens et aux comiques, à tous ceux qui prennent en dérision la religion de l'islam et qui parlent au nom de la religion de l'islam, comme ces rappeurs qui ne cessent d'envoyer des messages et de prétendre faire la morale aux jeunes al-Shabab, ces jeunes qui les prennent comme des gens qui leur font la morale et comme des gens qui les conseillent, mais qui n'ont rien de conseillé et qui n'ont rien de guide et qui n'ont rien et qui n'ont jamais et aucunement de sagesse, ni de science, ni de comportement. Ces gens-là, parmi les rappeurs musulmans, devraient se remettre en cause et revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et réaliser la responsabilité qu'ils ont lorsqu'ils emmènent leurs jeunes sans qu'ils s'en rendent compte vers l'enfer al-Nar. As'alullah tabaraka wa ta'ala yirzuqana al-ikhlas wa al-sawab fi al-qawli wa al-amal wa an yaghfir lana dhunubana wa yukaffir anna sayyi'atina wa yatawaffana ma'a al-abrar. Barakallahu fikum wa shakara Allah hudurakum wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yusalli wa yusallima ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa al-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Je tiens à préciser par l'argumentation que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou du diable Shaytan. Et je demande à Allah qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve tout le mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Et notre dernière invocation, Ayol Ahbab, et que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, et notre rencontre prochaine, bi'idhnillah, sera pour le mois prochain sur la vie d'un autre compagnon, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, barakallahu fikum, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.